Je m'appelle Eric Dargent. Ça fait environ maintenant 5 ans que je suis amputé suite à un accident où j'ai perdu ma jambe et amputé en fémoral, donc au-dessus du genou. Passionné de sport de glisse, passionné de surf, de montagne, de mer. C'est vrai que ça fait maintenant 2 ans que je suis parti sur un projet de conception de genoux avec Patrice Baratero, une autre personne amputée. On voulait arriver à avoir un genou qui soit performant, qui soit accessible. Aujourd'hui, on a une prothèse qui devient de plus en plus performante, qui permet de faire des sports différents et qui nous a amené aujourd'hui sur ce projet de montagne, de dépose en héliski, qui est une véritable aventure pour moi parce que c'est une première. C'est un véritable plaisir vraiment pour moi de découvrir ça et de profiter de ça. Et j'espère vraiment que par ces images, ça donnera aussi envie à d'autres d'aller encore plus loin ou d'aller tout simplement prendre du plaisir à la montagne parce que ça apporte tout simplement un véritable équilibre de vie. Et pour moi, c'est ma vie, c'est ce qui me permet de trouver aujourd'hui une raison de continuer, de me battre, donc j'irai le plus loin possible. On a essayé de penser à la réalisation d'une prothèse pour réaliser des activités sportives, essentiellement de glisse. Eric est équipé d'une prothèse munie d'une emboîture qui vient en contact du moignon, qui est en silicone. La prothèse est aussi équipée donc d'une interface cutanée qui va aussi protéger la peau, où le moignon d'Eric est sous dépressurisation pour lui permettre d'avoir un contrôle total et éviter que la prothèse ne bouge dans son activité. La prothèse est aussi constituée d'un genou prototype qui a été longuement pensé, et enfin un pied prothétique qui lui est en fibre de carbone qui va permettre d'absorber, de produire de l'énergie, et donc va faciliter, je dirais, le contrôle de la planche et dans les mouvements en fait, de rotation, dans l'activité de snow. Ils t'ont averti qu'il y avait un handicapé avec vous? Ouais, non. Moi aussi aujourd'hui c'est pas très... C'est là... Ah voilà. Une prothèse? Prothèse, voilà. Normalement ça fonctionne bien. Ouais. On va voir. Non, je monterai sur ton dos. Ouais. C'est la première fois que je vais prendre, que je vais déposer en hélicoptère. Ok. C'est sûr que j'ai des difficultés avec ma jambe et donc c'est forcément plus dur qu'avant. Mais je passe bien, je m'éclate et puis là on teste des nouveaux genoux, des nouveaux pieds pour développer, améliorer. Et ça marche, vous allez voir, on arrive à descendre, on arrive à s'éclater tout autant que le guide. Hein. Je vais piloter, hein, je te le dis tout.
je pense que ça fait deux jours qu'on fait des choses qui sont quand même hors du commun. Bah écoute, je vais tenter le spa, hein. Donc en avant. Ah, c'est parti. T'as l'impression d'être au sommet, presque au sommet du Mont Blanc. Alors il est juste en face de nous. Ah, c'est juste incroyable d'avoir un panorama comme ça. On a envie juste de profiter un peu là et de se poser pour regarder voir tout ce beau paysage. Quoi. Après deux jours de dépose, on va partir sur la Vallée Blanche et là le panorama il est juste fou. Je sais pas par quel côté on va descendre, mais ah, c'est dingue de pouvoir être là aujourd'hui. Voilà, l'accessibilité, en fait, c'est pour tout le monde et voilà, c'est une grande joie de pouvoir moi aussi en profiter. Et je suis sûr que derrière, plein de personnes pourront en profiter parce que c'est tellement magique ces moments-là.